C'est parti, casse et dash, lissez le montage, retrousse les manches, full écran, HD 1080p, on monte le son. Bonjour YouTube, c'est parti, vidéo de compilation de casse et dash, lissine à 2000 LP, super serveur, etc. Enfin, on connaît la rengaine. Hâte de voir ce qu'il propose. Alors, je préviens dire tout de suite, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait beaucoup de plays qu'on ait vu. Parce qu'on regarde tellement de plays que c'est normal. Ouh! Il a bait le tuyau dashward. Non, ça c'est. Oh, le mind game est irréel. Il a trop bien joué. Il a dashward pile dans l'angle comme si c'était un Q. Non, c'était vraiment bien joué. Auto la ward pour régène de l'énergie. Excellent kick de tempo. Sort de la vision pour appuyer sur le Q. Sort de la vision. Et gagne la game là-dessus. Il a 32 KP sur 34 kills. C'est pas mon jungler. Hein. Comme la Lulu a ulti le talon et full shield le talon, il a décidé de détruire le Twitch. Le kick est magnifique, Gordrinker pour tempo, stopwatch, le hook de Darius qui passe pas, ward dash, snipe la Lulu. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est... Non mais attends, mais quoi? Mais... Bon, ça m'arrive en solo queue. Non, mais c'est. J'ai l'impression que c'est un montage. J'ai l'impression que c'est des acteurs. C'est un. C'est des... Ils jouent contre des acteurs. Là, il queue. Le fight démarre. Il est à 40% HP. Le talent est niveau 13. Il est trop nombreux. Ouais, c'est exactement ça. Il est trop nombreux. Gordrinker. Kick flash dans le Twitch, cool Twitch, la Lulu décide d'ulti le talent. Full burst, auto le vrise deux fois pour la régène d'énergie. Q, temple Q, dash ward, temple Q, auto la ward pour l'énergie. Gordrinker, Q stopwatch, ne se fait pas hook. Rappuie sur le Q, dash ward out, snipe la Lulu, Q, dodge le Q de Karthus, tempo, Gordrinker. Mais ça s'arrête jamais. C'est indécent. Ça c'était un beau Q, moi je l'aurais pas touché. Il a attendu son Gordrinker avant d'y aller. Et il gagne le fight grâce au bait. Ah, mais Inga, non, par contre. Et t'as l'impression qu'il. T'as l'impression qu'il glide. Il met plus d'auto que les autres Lee Sin. Oh là là! Non, en fait c'est vraiment à quel point il sécure ses Q. C'est ça qui est impressionnant. En fait, comme il sécure tous les Q, bah il peut jouer les fights exactement comme il a envie de les jouer, tu vois ce que je veux dire? Kick flashé. Oh, en fait il connaît trop bien ses règles. Je regarde son E aussi. Oh, le kick. Oh, bah il a solo win the fight. Attends, mais Pokémon, c'est le mec qui joue Lissandra et tout là, Exerath. Qui a un KLP aussi. Et le Volibear s'appelle Jungle King.
dodge. Trample le Q. Il est obligé de Q. Brûle le flash. Le Q ne touche pas le Vrace. Pardon. Ça marche. Mini dash 1 pour gagner tout juste la distance pour atteindre le Karim. Il va devoir passer sur la ward ou il va juste le chercher? Ah oui, non, il en a juste rien à faire. Ah, le mec joue avec la minimap sans fog en fait. Attends, on va se détendre frérot, on va se détendre. Q. Gordrinker. Kick. Dash ward pour avoir l'angle. Q. Auto. Snipe. En fait, il joue suffisamment loin pour faire croire qu'il a pas la range. Mais en fait, il connaît tellement bien sa range que... Bah si, il a la range en fait. Ils ont tellement tunnel vision. Ils ont tellement tunnel vision. Sur le Drake. Q le Aatrox, prend la plante, Q le Kog et la Lulu est en train de shield et de DPS, bah là pour le coup elle a le Olaf, et elle était tellement tunée sur le Drake qu'elle a pas vu Nidhisin venir sur Kog'Maw, bon. Et il sécure le Drake. Oh, le Kled a dash le roll, ça m'aime bien. C'est injouable. C'est injouable. Il est immortel, il est partout. Il touche tous les Q. Ce n'est pas jouable. C'est vraiment la vraie notion du injouable. C'est vraiment le injouable originel. C'est injouable. Ce n'est pas jouable. Tout le move là, je vais me le repasser. Je suis désolé de repasser la vidéo. On regardait la vidéo deux fois. Là, le kick est magnifique. La Kalista est morte en début de teamfight. Il a Q après son dash out pour revenir sur le Vega. Temple Q. Il touche le Taric. Flash out, revient sur le Q. Dash ward, Q. La belle bête a pas le temps de le bump, la Lulu flash le shield. Ah, il a pas de dodge. Le kick est magnifique. Le kick le met pile en range de tour. Il va y retourner, il a le Gordrinker. C'est fou comment il priorise énormément le Gordrinker sur ses autres CD. C'est infernal. Vraiment, ça me fait de la peine pour les adversaires. Très beau beat. Il s'est tâté quand même avant d'aller sur celui-là. Il y va pour dodge le Zac. Arrive à dodge le E de Talia, du coup il se fait pas stun. Zonia avant de Q. Wow. Non, c'est n'importe quoi.
Il a tempo en 2v5 pendant 40 secondes. Et il arrive à turn le fight. C'est inexplicable. Je crois qu'il avait une Death Dance, mais il prend juste pas de dégâts en fait. Tue le Aatrox pendant qu'il finit le Wukong. Sécure le Aatrox. Tue la Kalista. Dash out. Tue la Cassio. Et encore une fois, là il finit le fight en combien? En 13 de 14, il a 27 de KP sur 31, genre. Il a 27 de KP sur 31. Il a plus de KP par minute que de minutes. Ça veut dire quelque chose que j'ai dit ou pas? Je suis pas sûr. Hein. Bah, ça marche. Il a attendu l'exhaust. Régène l'énergie. Il a vraiment la patience au niveau de l'énergie, hein. Ça lui pose aucun problème d'auto DCS en milieu de fight. Pour bien jouer autour de son énergie. C'est beau, putain. Le smite qui lui permet de régénérer suffisamment pour tenir le fight, pour bait le Aatrox, et au final il dodge le dernier Q et revient avec son deuxième Q. Il essaie de bait juste la Camille. Il n'y a que la Camille qui peut l'attendre là. Il attendait la Yumi. Tempo avec les heals. Tempo le triomphe. Kick. Snipe le Karthus. Oh, mec, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais il est feed, mais c'est même pas ça, genre juste le fight est... T'as tout le temps l'impression qu'il n'est pas touchable. C'est une arrêt. Ah, la vidéo était ahurissante. Le montage est clean, j'ai pas l'impression qu'on ait vu beaucoup de plays qu'on avait déjà vu au final. Hein. Pixel. En vrai elle était vraiment dingue. Celle-là, elle était vraiment cool. Il y a tellement pas de débat quand tu affirmes que c'est le meilleur Leeward. Bah, moi je trouve que c'est le meilleur Leeward, tu vois. C'est objectivement le meilleur Leeward. It smells like home here. Yo, Tex, Yami pour le prime. Dans ma salle, là. Ciao. Mais j'ai fait pendant que j'ai assumé. Anyways, je vais juste regarder ça rapidement. What? La vision proc l'hydre titanesque sur la ward et du coup ça a tué le rumble avec l'AOE de la titanesque. Avec facile 30 d'attaque speed.
En fait, comme la Ward était immortelle, j'ai capté. En fait, c'est considéré comme si t'avais mis une auto-attaque ou un hit. Ils ont considéré que la wave où t'enlèves un dégât, ça fait un hit. Mais au lieu de faire en sorte que la vague elle-même enlève le hit, ça considère que le champion qui a activé la vague enlève le hit. Sauf que comme la Ward était invincible à cause de la TP, bah du coup, ça a mis continuellement un hit parce que c'est censé mettre la pink à 1 HP. Et du coup, la raison pour laquelle ça a continuellement attaqué, bah c'est parce que la TP rendait la Ward immortelle. Bah ça marche. Excellent, ouais. Bah ça met bien, c'est game winning. Il y a le Renekton est avant le move, il est en 4-9. Il se fait dégommer, le mort des ultra feed. Ça win the fight. C'est fin de game. Ouais, j'ai vu Nuggets. Ben regardez. Vous avez vu ou pas? Ça le fait sur les autres wards. Regardez cette ward et regardez cette ward. Regardez. Regardez. Celle du haut, ça l'a pas fait. Et celle de devant. Vous avez vu? Ça l'a fait sur celle-là. C'est très très grave. Quel bordel. Il soit pas en wolf. Les Yasuo est level 2, la game est finie. Et c'est le plus gros speedrun de LP que j'ai vu de ma vie. Tes champs select sont 20 fois plus longs que tes games. Enfin bref. It smells like home here.
What? L'anami s'est refait stun, regardez. It smells like home here. Non, vas-y, c'est trop. Guys, c'est trop.